Chers tous, bonjour, cas chanceux, mercredi 22 mai 2024. Regardez l'état de cette route. Je suis devant le centre de santé communautaire d'Ovindo. Les femmes enceintes et qui viennent d'accoucher attendent ici l'aménagement de cette voie. Du béton, des pavés, du goudron, tout ce que vous voulez, mais que ça soit un lointain souvenir. Voici le pays que les autorités de la transition, les militaires ont trouvé. Le pays qui a été géré 14 ans durant par M. Ali Bongo. C'est ici que les femmes qui doivent accoucher ou qui ont donné vie accèdent. L'état du réseau routier. Mais ce centre de santé, comme vous pouvez le lire, il y a l'UNICEF qui est partenaire. L'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance, Centre de Santé Communautaire d'Ovindo, que ceux qui aiment les raccourcis ne pensent pas que je fais cette vidéo parce que je veux qu'on nomme quelqu'un d'autre ici, parce que les Gabonais ne vivent que pour les nominations, ceux qui sont allés à l'école, prétendument. Parce que comment comprendre que vous allez à l'école, la seule chose qui vaille après vos études, c'est que je sois promu à des fonctions. Bon. Vous avez compris un peu la mentalité qui nous a caractérisés durant ces dernières années. Consultation de médecine générale, pédiatrie, gynécologie, consultation prénatale et postnatale, laboratoire d'analyse biologique, accouchement, service de maternité, garde 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, santé maternelle et infantile, soins infirmiers, hospitalisation du jour, vaccination, pharmacie, petite chirurgie, échographie. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui travaillent dans nos hôpitaux. Mais tout ce que vous voyez là, c'est bien à l'écrit, mais la réalité est tout autre chose à l'intérieur du centre de santé communautaire d'Ovindo. J'y suis. Je vous ai dit, regardez l'accès. Regardez l'accès qui mène ici. Et regardez l'état de cette ambulance là-bas. Il n'y a même plus de phare, on se demande même si cette ambulance est fonctionnelle et aux normes. Je vois bien Olam et GZ. Comprenez que, ma foi, on a fait des choses dans ce pays juste pour faire beau. Mais comment voulez-vous que les femmes qui sont ici, qui viennent accoucher, on se retrouve dans un tel décor? Une vraie porcherie. Je vais éviter de montrer le visage de certaines femmes. Il y en a une qui est derrière moi. Les femmes qui viennent ici, la femme gabonaise, et ne l'oublions pas que le sceau de la République gabonaise est matérialisé par une femme qui allaite. En cette période de transition, nous parlons de la restauration de la dignité des Gabonais. Mais la dignité des Gabonais passe aussi par la dignité de la femme. Même lorsque vous êtes véhiculé, regardez l'état du réseau routier, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Donc, il y a urgence, mais vraiment urgence, à refaire cette voie, la voie qui mène ici au centre communautaire d'Ovindo, et surtout à revoir l'intérieur. Il faut que ça soit beau. Quand la femme arrive, le bébé et l'enfant, il faut qu'ils se sentent en sécurité et dans un endroit gai. Et quand nous débarrasse ça, cette broussaille, on peut y planter des fleurs. Quand on vient à l'hôpital, faire les soins, se faire examiner, ou lorsqu'on a amené le bébé pour les vaccins, il faut qu'il y ait un décor naturellement beau. Ici, le pédiatre n'est pas là. Les mamans qui arrivent et leur bébé ici, on les fait balader. Je ne sais pas pourquoi le pédiatre n'est pas là en permanence. Et c'est la même chose dans les autres structures de santé. Qu'est-ce qui justifie l'absence répétée des pédiatres? Évidemment, ceux qui sont dans la solidarité de la bêtise au sein de la corporation diront « Ah ben oui, il est venu ouvrir sa grande gueule, il est venu nous attaquer, nous insulter. » Mais il faut bien que le Gabon change et que les mentalités aussi changent et que le pays aille mieux. Et pour cela, chacun doit apporter sa part à l'édification de ce Gabon que nous voulons changer. J'ai fait cette vidéo pour plaider la cause de ces femmes qui viennent d'accoucher, qui après une semaine, deux semaines, se font toujours balader parce qu'il n'y a pas de pédiatre. J'ai pris le cas du centre communautaire de santé d'Ovindo,
mais cela s'applique aussi pour les autres structures de santé du Gabon. Et ça, ce n'est pas du tout cash aux autorités de la transition de revoir tout cela et pour que restauration de la dignité des Gabonais ait véritablement un sens cash. Bonne journée chez vous.